comment faire une maison moderne. Donc là, je sais pas pourquoi, il y a un peu y a un bug, j'ai l'impression. Mon skin n'a plus de tête. Je sais pas du tout pourquoi. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais pas du tout pourquoi je n'ai plus de tête, mais ce n'est pas grave. Donc avant que la vidéo commence, je voulais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée sur ma chaîne YouTube. C'est la fonctionnalité tout simplement rejoindre la chaîne, qui va permettre de vous abonner tout simplement en payant tout simplement un abonnement. Donc c'est pas très cher, il y a plusieurs types d'abonnements. Donc il y a le premier abonnement à 99 centimes, le second abonnement à 1,99€, et l'abonnement plus cher à 4,99€. Donc ces abonnements, à quoi ils servent? Eh bien tout simplement, ils vous offrent des avantages sur ma chaîne YouTube. Donc ce bouton, je sais pas si vous l'avez vu, il se situe à côté de mon bouton s'abonner. Donc c'est un bouton bleu où il y a écrit rejoindre. C'est vraiment important cette fonctionnalité pour moi, car tout simplement ça va me permettre de faire plus de vidéos, comme ça va me rémunérer d'une certaine façon, et ça va aussi me motiver à faire des vidéos, et je pourrais pourquoi pas faire des vidéos avec des budgets un peu plus gros que des simples vidéos gaming, comme pourquoi pas des courts-métrages IRL ou d'autres vidéos de ce style qui nécessitent un plus gros budget. Donc voilà, donc c'est vraiment très important pour moi, et donc voilà. Donc rassurez-vous, pour tous les abonnés qui n'achèteront pas cet abonnement, tout simplement, ça ne changera rien pour vous. Vous pourrez tout simplement toujours voir mes vidéos, et donc voilà, ça ne changera rien pour vous. Donc il y a plusieurs avantages. Donc si vous voulez vous renseigner, vous n'avez qu'à venir me poser des questions sur mon Instagram ou mon Twitter. Donc c'est dans le à propos, mais mon Twitter et mon Instagram se situent dans le à propos de ma chaîne. Vous n'avez qu'à aller voir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, après cette petite annonce, je vais vous faire une petite vidéo tuto où je vais vous présenter une maison moderne que je vais construire et que vous allez pouvoir reproduire. C'est un peu des maisons comme le style de maison que je fais en live, pour ceux qui regardent mes lives. Donc voilà. Bien du coup, c'est parti, on va faire le tuto pour faire une maison moderne. Alors, sachez qu'en fait, j'ai déjà tourné le tuto, sauf que, tout simplement, la vidéo n'a pas rec. Du coup, j'ai un peu le seum. Du coup, j'allais vous proposer cette maison. Donc, elle est vraiment magnifique. Mais du coup, c'est dommage, ça n'a pas filmé. Ce n'est pas grave. On va faire avec. On va recommencer avec les mêmes matériaux. Mais du coup, on fera pas la même maison. J'ai une autre idée. Hop, on a tous les matériaux importants. Ouais, c'est bon. Vous avez besoin du coup, pour faire une maison moderne, d'une clôture en chêne, d'une vitre gris clair, de feuilles d'acacia, de feuilles tropicales, de planches de chêne et de béton blanc. Donc c'est parti, du coup on va la faire ici. Alors du coup on va commencer avec une base en planches de chêne. Donc vous allez compter 10 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous allez faire 11, et là vous allez tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 blocs. Après ces 15 blocs, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, vous allez tourner. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous allez revenir et vous aligner avec la construction du début. Donc voilà, donc ça va vous donner une forme comme ceci. Donc ça va être une maison moderne assez petite, mais ça fera l'affaire, vous inquiétez pas. Alors, donc là, vous allez faire une ouverture tout simplement. Et vous allez monter de 1, 2, 3, 1, 2, 3, de chaque côté. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez fermer de manière à faire un cube, enfin un carré tout simplement en bois, comme ça. Enfin, c'est plus un rectangle, mais ce n'est pas grave. Donc ensuite, vous allez venir placer votre verre gris, vos vitres gris clair, juste là, sur les côtés. Comme ceci. Voilà. Une fois ceci fait, vous allez combler ici
Non, attendez. Vous allez placer un bloc et vous allez casser ici. Voilà. De manière à ce qu'il vous reste de ce côté 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocs. Donc vous allez monter et vous allez aligner les deux murs. Une fois ceci fait, vous allez casser le sol en dessous de murs que vous avez construit et vous allez combler avec des vitres, comme ceci. Voilà. Donc vous comblez bien, c'est un peu difficile parce que les vitres sont super fines. Mais normalement ça devrait aller. Voilà. Donc ça va vous donner ça. Une fois ceci fait, vous allez faire une porte à l'entrée. Donc de 4. On va faire un peu en suivant le modèle de celle là-bas. De 4. Et donc vous allez monter comme ça de manière à vous mettre à la hauteur des autres murs. Donc voilà, vous comblez le sol. Et cette fois-ci, on va faire comme ça. Comme ça va vous donner comme l'autre porte là-bas. Et vous allez combler en haut. Donc ça va vous donner ça. Une fois ceci fait, vous allez faire 1, 2. Et là, à partir d'ici, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez poser sur le sixième. Donc ensuite, vous augmentez la hauteur des murs. Attendez, hop, comme ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous allez suivre le mur et faire comme ça. Voilà. Comme ça. Et ici, vous allez laisser un petit espace de 2 d'épaisseur. Enfin, un petit carré. Vous comprendrez pourquoi ensuite, ça va être en fait un repère. Donc ici, vous pouvez déjà combler avec des vitres. Voilà. Donc il n'y aura pas de time-lapse dans cette vidéo tout simplement, car moi aussi avant je regardais des tutoriels, maintenant je fais mes maisons moi-même, car tout simplement j'arrive à build tout seul maintenant. Donc ici vous allez mettre une vitre, pardon, hop. Donc je ne ferai pas de time-lapse, je disais, tout simplement parce que quand je regardais des tutoriels, les time-lapse en fait ça me perdait un peu et ça me perturbait, parce que eh bien, j'aimais suivre le tutoriel en même temps que la personne qui construisait la maison. Et du coup, voilà, c'était assez perturbant. Et on réussissait pas toujours les builds. Donc voilà. Ah oui, vous aurez aussi besoin d'un truc que j'ai oublié de préciser. C'est de demi-dalles en quartz lisse pour faire des escaliers. Car oui, il va y avoir un étage dans notre maison. Donc vous allez monter comme ça. Vous allez poser un bloc pour... Enfin, vous avez posé plusieurs blocs pour vous aider à construire tout simplement. Hop. Et à partir d'ici, vous allez faire comme ça. Vous allez faire un petit carré. Donc 2, 2. Donc ensuite, vous allez continuer dans ce sens. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et donc ici vous allez faire un carré encore une fois et vous allez monter dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. Donc là vous êtes arrivé à l'étage. Et donc à l'étage, on va faire un sol en bois, tout simplement. Comme ceci. Attendez. Ah non, 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 pardon. Excusez-moi, on va pas faire un sol en bois. En fait, le sol ce sera enfin le plafond. Du premier étage, ce sera le sol de l'étage d'au-dessus. Du coup, vous allez déborder comme ça, vous allez faire un carré, tout simplement, qui va déborder un peu de tous les côtés, et qui va englober la future terrasse. Donc ici, on va faire une terrasse. Hop. Ouais, donc elle va bientôt englober, l'étage va bientôt englober. Voilà, comme ceci. Et donc, pourquoi pas venir déborder comme ça. Ah non, pardon. De ce côté, il y aura un petit truc. Donc, on va venir fermer. Et vous allez laisser deux comme ça. Donc voilà. Donc ça va vous donner ça. Une fois ceci fait, vous allez tout simplement compter à partir de cet angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au neuvième, vous posez un bloc. Donc après, vous montez. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, en partant de l'angle, bien sûr.
et au huitième bloc, vous posez de manière à faire une vitre, comme ceci. Ensuite, vous allez venir faire ça tout le tour, comme ça. Et vous pouvez mettre, quand vous voulez, des intersections. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, c'est vous qui allez choisir tout simplement la forme de votre maison de manière à ce que vous ayez, de manière à ce que chaque viewer ait une maison unique. Donc voilà, donc vous mettez vraiment des intersections quand vous voulez. Sauf de ce côté, ou de ce côté, vous allez faire comme ça. Vous allez fermer. Voilà. Donc une fois ceci fait, ça va vous donner ça. Donc ça vous donne un truc assez moderne, assez stylé. Donc vous allez combler. Voilà. Comme ceci. Très très simple. Sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent et à partager au maximum les vidéos. Ça m'aiderait énormément à gagner en visibilité. Donc voilà, c'est très très important. Hop, et à aussi lâcher un petit pouce bleu à la vidéo si la vidéo vous plaît. Ok. Donc, on va continuer de combler ce sol, enfin ce sol plafond, la sur de rôle, comme ça, voilà. Donc, on a bientôt fini, ça va pas être bien long. Comme je vous l'ai dit vers le début du tutoriel, je ne vais pas faire de time-lapse. Oula, on s'est un peu foiré, hop, voilà. Ok, donc ça c'est fait, c'est bon. Donc ça vous donne une petite structure comme ça assez sympathique. Donc ici vous allez casser, vous allez encore casser de manière à ce que entre le mur et ici il vous reste deux blocs. Donc ensuite vous allez faire une barrière moderne à l'aide des vitres, comme ceci. Ouais, donc ça va vous donner ça. Hop, du coup, pardon, vous allez rehausser d'un niveau. Parce que c'est pas assez haut, je viens de le remarquer. Ça va rien changer, ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Sauf ici, bien sûr, comme d'habitude. Je vais vous dire à la fin ce qu'on fera ici. Voilà. Donc, une fois que ceci c'est fait, tout simplement. Alors déjà ici, vous allez combler. Ici aussi. Ici, vous allez laisser où vous allez combler. Donc là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc moi, je vais combler ici. Voilà. Ici, vous allez combler ou laisser. Moi, je vais laisser. Et ici, vous allez combler ou laisser. Moi, je vais laisser. Ici, vous allez combler ou laisser. Moi, je vais combler. Je vous dis, c'est comme vous voulez, vous faites vraiment ce que vous voulez, ça va être votre maison. Donc ici, attendez, je vais un peu élargir de manière à ce qu'on puisse faire une vitre. Donc là, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. Et par contre, les endroits où vous allez laisser pour faire votre vitre, vous allez enlever un bloc en haut puisqu'on en a rajouté un, de manière à ce que ça vous fasse des belles grandes vitres. Hop, comme ceci. Donc ça va vous donner ça, ou du coup un truc un peu différent. Voilà. Donc, on va passer maintenant au fameux endroit que vous devez. Alors, vous allez tout simplement partir du bas et monter. Rien de plus simple. Avec la couleur que vous voulez, je vous conseille la même couleur que moi, ou une couleur un peu grise. Mais voilà. J'aurais même dû prendre une couleur un peu grise. Ça aurait donné un meilleur rendu. Et donc, vous allez prendre des blocs de verre. Alors. Des blocs de verre gris clair, pardon, gris clair, comme nos vitres, hop, comme ça. Donc ensuite ici vous allez mettre du bois de manière à pas mettre votre vitre à même le sol. Et ici vous allez dépasser de 1 et fermer. Voilà, tout simplement. Ça va vous donner un truc assez moderne et vraiment magnifique. Voilà, comme ça. Et donc vous pouvez fermer le toit maintenant en vous assurant de ne pas combler l'espace ici puisqu'il y a la vitre. Vous pouvez même, vous savez quoi, on va l'allonger, ça va faire encore plus beau, comme ceci, voilà, de manière à avoir un apport de lumière supplémentaire par le toit. Donc voilà, donc vous allez combler, hop, oula, pas ici, voilà, comme ça. Ok, donc c'est parti, on va combler. Un petit peu de temps, un peu de surface quand même.
Mais ça va aller quand même assez vite. Du coup, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de tutos construction comme celui-ci. Ça me ferait extrêmement plaisir de connaître votre avis tout simplement. Je pourrais aussi faire des tutos, par exemple si vous voulez aménager vos constructions, des tutos par exemple, je sais pas, du mobilier à faire dans Minecraft, du genre, je sais pas, par exemple, un canapé. Je le fais pas maintenant, je le ferai dans une autre vidéo si vous me le demandez. Donc ensuite vous allez combler les vitres comme ceci. Attendez, on va bien se coller. Donc là c'est vraiment pas très facile à faire. Ok, c'est bon. Donc ensuite vous allez combler bien toutes les vitres. À moins que vous voulez faire des portes immense à votre étage, mais ça n'aura aucun sens de faire ça. Hop. Voilà. Ok, on a bientôt fini. Et je sais pas s'il reste encore des vitres. On va faire le tour. Ah si, il en reste une. Ok, il reste une vitre et après on passe à la suite. Hop, comme ça. Ça. Voilà. Donc là, on a notre maison. Donc on va l'améliorer. Alors, donc déjà, vous allez partir de 1 ici et vous allez englober tout ça. Vous allez englober tout ça, voilà, comme ceci jusqu'à là, de manière à ce que ça vous fasse une petite terrasse, tout simplement une petite terrasse extérieure vraiment sympathique. Ça donne un petit côté réaliste parce que souvent dans Minecraft on fait des trucs qui sont pas très réalistes. Moi j'essaie de faire des maisons assez sympathiques comme vous pouvez le voir. Regardez, donc voilà, elle est plus grande que celle que je vous montre actuellement. Mais je les aime toutes les deux, enfin en fait c'est pas pareil. Elles ont un charme assez différent, mais c'est toutes les deux des maisons modernes. C'est toutes les deux moi qui les ai inventées. Et je les aime beaucoup, donc dites-moi si vous aimez bien les maisons que j'ai faites, comme celle-ci justement. Dites-moi si laquelle vous préférez entre toutes les maisons. Donc je les montre en live, donc vous me direz en live tout simplement. Donc pour savoir quand je fais des lives, il faut tout simplement être abonné à ma chaîne. C'est vraiment très important si vous voulez être présent lors des lives. Lors des lives en plus, pour ceux que ça intéresse, on fait gagner pas mal d'abonnés à tout le monde. Et donc voilà. Donc ici, vous allez faire tout simplement comme ça. Voilà, vous allez faire des angles comme ça. Voilà. Attendez. Hop. Mince, qu'est-ce que je fais? Ok. Comme ça. Donc voilà. Donc ici vous pouvez mettre un petit pilier. Donner un effet assez sympa. Et du coup casser l'angle ici. Donc voilà. Voilà, donc ça vous donne ça pour l'instant. Ça donne une maison assez sympathique. On peut agrandir la terrasse de... Parce que là ça fait un peu bizarre. C'est pas symétrique. Moi je déteste quand c'est pas symétrique. Hop. Voilà, on va augmenter de 2 sur le côté. Et du coup, on va faire un angle là. Et un angle là. Comme ceci. Donc ça vous fait une terrasse assez sympathique. Et donc maintenant, on va habiller les côtés vides de l'étage du bas avec des feuillages. C'est vraiment très important. Il y a plein de personnes qui font qui build et qui ne mettent pas de verdure. Moi, je trouve ça vraiment dommage. J'aime beaucoup mettre de la verdure un peu partout. Hop. Ça donne un aspect naturel vraiment stylé. Tac, on va même dépasser. Ah non, non, on peut pas. Ok. Donc ensuite, devant, pareil. Hop, comme ça. À chaque fois de feuilles pour que ça donne un effet. Comment? Pour que ça change un peu tout simplement. Donc ensuite, vous allez prendre des demi-dalles de chêne. Et vous allez les mettre juste là. Voilà, comme ça. De manière à ce que ça fasse un petit effet, tout simplement. De profondeur. Si on peut appeler ça, ouais, de profondeur, ouais. Ah oui, donc ici on n'a pas cassé les blocs, faut bien les casser hein, pour que ça fasse bien propre. Comme ceci. Et voilà, donc on a une magnifique maison, donc je vous laisserai l'aménager. Donc on peut faire le sol, comme ça fera gagner du temps à la vidéo. En plus, à la fin de la vidéo, j'ai vraiment une annonce très importante à vous dire. Ah mais non, je suis bête, je vous l'ai dit en début de vidéo, donc que j'avais rajouté la fonction ça, enfin comment, suivre la chaîne avec
avec les abonnements payants. Mais vraiment, c'est très important pour moi, cette nouvelle fonctionnalité. Ça me permettra de vous proposer plus de contenu et en meilleure qualité au fil du temps. Donc j'ai choisi les planches de bouleau pour faire le sol. Elles sont assez claires et c'est vraiment stylé. Ça donne un effet de contraste entre les planches de chêne et les planches de bouleau. Ça fait, j'aime beaucoup, quoi. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez le bois de bouleau ou le bois de chêne en sol. Donc là, du coup, c'est le bois de bouleau que j'ai choisi puisque, mais tout simplement, j'ai mis du bois de chêne, mais j'aurais très bien pu mettre du bois de chêne en guise de sol. Mais ça aurait fait comment, uniforme. Ouais, je sais pas si ça se dit dans ce contexte-là, mais ça aurait fait trop pareil, quoi. Ouais, uniforme, je crois. Du coup, casse bien tout. Ça fait vraiment un espace sympathique. En plus, le bois, je trouve, ça rend vraiment les maisons chaleureuses sur Minecraft. Ça fait vraiment stylé. Donc ici, si vous avez la flemme comme moi de tout combler, vous pouvez mettre des tapis. Donc j'ai choisi les tapis rouges. En plus, vous pouvez tout simplement cacher de la lumière dessous. Ça va faire vraiment stylé, vous allez voir. Hop, comme ça. Et donc là, vous pouvez couvrir. Hop. Après, il y a les petits tapis qui volent, vous les cassez. Hop, on a cassé là. Je casserai à la fin les tapis. Bon, non, je vais casser maintenant, ce sera fait. Voilà. Donc, ça vous fait un petit effet lumineux vraiment sympathique. Faire un tapis vraiment moderne qui prend vraiment beaucoup de place. J'aime beaucoup les tapis comme ça. Ils sont vraiment stylés. Voilà. Grand tapis comme ça qui va venir jusque là. Et jusque là. Attendez, parce que là ça fait pas beau. Voilà, là ça fait un beau grand tapis. Donc c'est pas bien centré, mais ici vous pouvez mettre par exemple un canapé ou d'autres mobiliers. Donc ici vous pouvez mettre des transats. Donc c'est vraiment une maison assez sympathique. Elle a un certain charme, je trouve. Donc ici vous pouvez rajouter pourquoi pas avec du gravier. Attendez, du gravier, je sais que j'en ai mis là. Pour faire un petit chemin comme ça. Ça peut faire vraiment sympathique. Mettre aussi des buissons comme ça. Hop. Mais attendez, ça veut pas. Attendez. Voilà. Du coup, voilà, pour faire un petit chemin pour donner un côté un peu plus réaliste. Voilà. Comme ceci. Désolé. Alors, du coup. Tac, comme ça. Et voilà, vous faites un petit peu un truc saccadé de manière à ce que ça fasse un peu plus naturel. Hop. Et donc là, vous allez alterner. Hop. Pour que ça fasse pas toujours pareil. Pareil qu'avec le bois. Mince. Hop. Et voilà. Donc voilà, et bien, les amis, c'est déjà la fin de ce petit tuto où je vais pré où je vous présenter. Enfin, où je vous montrais comment faire une maison moderne, tout simplement. Vraiment magnifique. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. Donc voilà, donc partagez bien cette vidéo au maximum, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Obijawa et moi je vous dis ciao ciao.